Ouais, mais ça j'ai déjà fait des enclos de ferme, c'est pareil, je pense. Apparemment, il y a encore l'odeur. Yeah. Ah ouais? Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Géocaching. Je suis en compagnie de Gogo Cachette. Salut les amis. Aujourd'hui, on va faire une géocache urbex, un ancien abattoir fermé il y a environ... Un ancien abattoir fermé il y a environ 20 ans, mais dans lequel il reste une ambiance un peu particulière d'après le poseur. Allez, à tout de suite. Le photographe à l'état sauvage peut être très dangereux avec son appareil photo. Il vaut mieux s'en méfier et rester à une certaine distance. Oh, il nous a repérés! Vite! Faut s'en aller! Le photographe en action qui est en train de se demander comment il va placer son appareil photo pour prendre la meilleure photo. Vous pouvez retrouver ses plus belles photos sur Instagram, sur Scarox ou Freedom Expo que je vous mets dans la description. Et voilà, petite exploration terminée, petite géocache trouvée, que demander de plus? Qu'il fasse plus beau. Sur l'exploration en elle-même, on a trouvé que c'était très dégradé. Malgré ça, c'est toujours sympa de visiter un ancien abattoir. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, lâchez un gros pouce en l'air. Mettez votre ressenti dans les commentaires et on se dit à très vite. Ciao, ciao.